Hello, je vous avais dit une petite vidéo sur le Libra. Alors, qu'est-ce que c'est le Libra? Ça va être la monnaie, la crypto-monnaie de Facebook. Nous sommes sur bitcoin.fr et la source est de capital.fr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a quelqu'un qui reçoit quelqu'un. Voilà, ça c'est pas vous le lisez avec moi. De le blockchain partner, décryptage du projet Libra, donc la future monnaie numérique. Voilà ce qui m'intéresse avec vous. C'est avec Libra Facebook. Donc là, vous voyez les erreurs. Veut concurrencer les États. Mais plutôt, ou plutôt ne veut pas concurrencer les États. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais je vais vous donner mon opinion après. Mais organiser la concurrence entre eux. Déjà, ça, tu vois, voyez-vous, c'est dangereux. Ce genre de projet, ou même de propos. Dans 10 ans, quand le Libra sera utilisé par 1,5 milliard de personnes, soit beaucoup plus que le yuan actuel et d'autres monnaies, il y aura une masse monétaire monstrueuse et le rapport de force sera totalement inversé. Ce qu'ils sont en train de sous-entendre, c'est qu'avec le Libra, Facebook deviendrait une sorte d'État virtuel. Et s'il y a un conflit avec la BCE, Banque Centrale Européenne, Libra pourra réduire la part de l'euro dans son panier de devises au profit d'autres monnaies. Ça fera chuter le cours de l'euro, du CAC 40 et des conséquences sur la zone euro. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que dans 10 ans, si on laisse faire, ils auraient Facebook les moyens d'attaquer virtuellement la monnaie européenne, ou le dollar évidemment, ou le yuan, n'importe quelle monnaie, tellement ils seront puissants. Comme lorsqu'un fonds de pension fait pression sur des États, mais en version XXL. Donc vous voyez que les fonds de pension, c'est déjà des centaines de milliards. Ils sont en train d'anticiper que Facebook pourrait très bien dire à certains États, la France, s'ils étaient assez puissants, dire à la France, eh ben, je ne veux pas que vous fassiez ça, donc c'est ça, ou alors on vous casse votre économie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On va se retrouver donc, comme ils le disent, sur un marché où le dollar ne sera plus l'étalon, ce que l'on peut regretter ou pas. Il sera remplacé par le Libra, de dépit de sa fonction de palier de devise. Bon, alors ça, c'est très alarmiste, évidemment. J'espère que ça n'arrivera pas, bien sûr, parce que je ne pense pas que ce soit le projet Facebook. Ce que j'en pense, moi, sur le Libra, et ce que j'en ai lu et analysé, c'est un très beau projet, mais en même temps, c'est vrai que ça peut être dangereux. Qu'est-ce qui va se passer avec le Libra? Le Libra, c'est une crypto-monnaie, mais qui il va être utilisé comme les monnaies actuelles, l'euro, le dollar, tout ça. Mais à des fins d'investissement et de création d'emplois et d'entreprises. C'est-à-dire qu'avec cette crypto-monnaie, des pays ou des continents, on va dire comme l'Afrique par exemple, qui n'ont pas beaucoup de moyens, vont pouvoir se procurer du Libra, avec le Libra créer une entreprise et des emplois, qui elle sera cotée en Libra. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que plus ça va marcher, ça va être un accès facile qui va permettre de créer son entreprise, de générer des profits, de créer des emplois. Mais cette entreprise qui aurait été créée avec des Libras sera cotée en Libra. Elle ne sera pas cotée en euros ou en dollars, elle ne sera pas au CAC 40, elle sera une sorte de bourse. Et c'est comme ça que moi j'ai compris la chose telle que le voyez. Donc ça parle d'un but qui est vraiment très intéressant dans le sens où ça va permettre à vraiment des économies fragiles ou pas chères, mais ça marchera sûrement en France aussi, hein, vous verrez, à des entreprises de lever des fonds en Libra, de pouvoir lancer une entreprise, et cette entreprise, elle sera toujours, comment dire, cotée en Libra. Donc là, si on voit ce qu'ils nous disent, ce qu'ils en disent sur le bitcoin.fr du Libra, ils nous disent que ce Libra.org, donc c'est une future monnaie, reposera sur une blockchain, donc c'est bien une crypto-monnaie consortiale qui sera développée par une fondation suisse, cherchez l'erreur, et géré par une centaine d'acteurs, entreprises, organisations, et qui vont former les nœuds du réseau. Et ces nœuds sont coordonnés par un algorithme qui sera appelé le Libra BFT. Il sera soutenu, le Libra, par un panier d'actifs financiers stables, tels que des dettes souveraines, la dette souveraine de la France,
des libellés en dollars, en euros, en yens et en livres sterling, vous voyez. Donc le Libra prendra en charge les smart contracts, contrats intelligents, avec son propre langage de programmation. Il va d'abord être expérimenté, évidemment, sur un réseau de tests qui permettra aux développeurs tiers et à toute institution de voir comment ça marche, de voir si ça plante, ou voilà. Qui va s'intégrer dans les 18 prochains mois dans l'écosystème Facebook, construit autour de Messenger, WhatsApp et Facebook, à l'aide d'une application nommée Calibra, qui est aussi le nom de la société en charge des services proposés par Facebook sur Libra, société agréée en tant que monnaie service business. Voilà. Donc on le comprend tous bien que ce Libra a un potentiel gigantesque, hein, puisque l'importance des moyens qui vont être mis en œuvre et la puissance des partenaires impliqués, eh bien, c'est une ambition pour cette monnaie numérique mondiale et donc à prendre très au sérieux. C'est ce que je viens de vous dire. C'est vraiment à prendre très, très au sérieux. Ce Libra va rentrer en concurrence directe avec un certain nombre de projets blockchain, mais il ne va pas concurrencer Bitcoin, hein, ni dans la niche de monnaie résistante à toute forme de censure. La confidentialité et la protection des données personnelles ne semblent pas être un objectif de Facebook. Ça, c'est très important que vous l'ayez à l'esprit, la confidentialité et la protection des données personnelles ne sont pas un objectif Facebook. Ça, il faudra faire très attention. Et pourtant, en étant une crypto-monnaie, elle est totalement protégée. D'ailleurs, certaines personnes estiment que Libra pourrait apporter une liquidité nouvelle au marché des crypto-monnaies et profiter à Bitcoin. Et vous verrez, ça je vous le prédis, c'est ce qui va arriver. Ça va faire monter le Bitcoin très fortement. Et d'ailleurs, la forte montée actuelle n'est peut-être pas étrangère à cela. Donc, Libra de Facebook, ce n'est pas une concurrence avec les blockchains publiques. Elles sont sans autorisation, sans frontières, elles sont neutres, résistantes à la censure. Elles concurrencera à la fois les banques de détail et les banques centrales. Ça va être divertissant, comme le dit Andreas Antonopoulos. Donc, c'est vraiment un projet qui va bouleverser le monde de la finance, et je pense que très vite les gouvernements vont mettre en place ce qu'il faudra pour s'en protéger, parce que, comme je viens de vous le dire, ça risque d'être un état virtuel, un état dans l'état, et qui risque de pouvoir faire bousculer beaucoup de choses. On n'en sait pas plus, on sait que Facebook a énormément d'argent, et ils l'investissent de manière extrêmement intelligente. Il se comporte comme un État. C'est ce que je vais vous dire. Quand on est un État et qu'on veut être indépendant, eh bien, on a sa propre monnaie. Et d'autant que cette monnaie, comme je viens de vous le dire, elle va permettre, à mon avis, de faire des créations d'entreprises. On en reparlera, parce que beaucoup d'entre vous vont se dire « Mais d'où il tient ça ?» Vous verrez que dans quelques mois, ou dans un an et demi, on verra ça. Et on vous dira que grâce à Libra, il y a beaucoup des milliers d'entreprises qui vont se créer. Et comme elles vont être cotées forcément en Libra, même si elles vont utiliser des monnaies de standard, hein, du pays, leur capital, lui, sera en équivalent, il sera en Libra, en équivalent yuan ou je ne sais pas quoi. Hein. Ça sera selon le pays ou l'investisseur premier. Mais vous verrez que ça va prendre des proportions qui risquent d'être gigantesques. Mais je pense très sincèrement que les gouvernements les plus puissants de la Terre vont très vite trouver un moyen de réguler ça et d'empêcher qu'ils puissent justement faire du chantage aux États en devenant des hyper-fonds de pension. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si vous avez des idées sur le Libra, des infos dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Moi ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. J'ai pas des millions de commentaires, mais j'ai toujours des commentaires d'une très grande qualité. J'ai pas de noob ou de gros naze là qui me balance. J'en ai eu 2-3 récemment. Mais j'ai rarement des gros foufous là qui mettent n'importe quoi. J'ai souvent d'ailleurs, je vous en remercie profondément, des commentaires d'une intelligence vraiment extrême. Et ça me fait très très plaisir. Allez, les petits loups, je vous fais encore un gros bisou. Cette vidéo, eh bien, c'est pour vous faire des débuts de semaine en ce 1er juillet. Je vous fais un énorme bisou d'amour. Allez, ciao les petits loups. Alors les petits loups, si cette vidéo vous a plu, eh bien vous avez deux choses à faire. Eh bien la première, c'est de vous abonner à la chaîne et puis de mettre un pouce vers le haut.